Cominciamo? Se parti! Ecco! Ecco il tema del piano. Allora, bonsoir a tous, chers amis, buonasera a tutti, cari amici, Maria Chiara. C'est un véritable plaisir de vous accueillir ici ce soir au Consulat Général d'Italie. Je suis vraiment ravie. Pour plusieurs raisons, je dois dire. La première, c'est de commencer aujourd'hui avec le Festival italien à Paris, qui est un événement qui se déroulera pendant toute cette semaine et qui se compose de plusieurs événements. Vous avez le programme ici et je vous prie de le regarder, de prendre avec vous. Se compose des événements qui touchent plusieurs domaines, la musique, la littérature, Dante naturellement, Ennio Morricone, le cinéma. Et je suis sûre que c'est un programme très riche qui sera très intéressant. Mais le programme commence ce soir avec l'événement le plus intéressant. Non, c'est un événement qui me tient vraiment au cœur parce que ce sera une table ronde, comme vous le savez, à propos des Italiennes en France et de tout ce que les Italiennes ont donné à la France et que la France a donné aux Italiennes en France, et donc pour les bénéfices mutuels de nos pays qui sont liés par des relations excellentes et qui continuent pendant les siècles à se donner beaucoup de choses et à grandir ensemble, je vais dire. Cet événement, vraiment, ça va être l'expression des liens indéfectibles qui unissent l'Italie et la France. Vous savez, le premier lien est représenté par l'immigration italienne qui est très ancienne, du Moyen Âge, même avant que ça, vous le savez déjà. Il y a un flux de millions d'Italiens qui ont traversé les Alpes. Les Alpes nous unissent, la mer Méditerranée nous unissent. Et donc, je suis vraiment très contente d'avoir cet intervenant d'exception qui va nous aider à réfléchir dans des différents domaines, la musique, l'art et
tous les domaines possibles avec William et Alberto. Et donc, je vais vraiment les écouter et avoir cette magnifique occasion avec vous. Donc, je vais les introduire, même si Jacqueline Zana-Victor, qui est la coordinatrice du festival, peut-être que peut les faire mieux que moi. Donc, mais je tiens à mentionner aussi les autres partenaires du festival, les amis français, donc la mairie du 13e, et en particulier les maires Jérôme Coumet et la ville de Paris, et nos amis les maires adjoints pour l'Europe, Hermano Sanchez Ruivo, et aussi les autres institutions italiennes, l'Institut italien de culture, la Maison d'Italie. Vous verrez tous les événements qui se dérouleront dans ces différentes institutions. Et donc, je crois que tout peut introduire nos amis. Oui, et donc, bienvenue encore et grazie a tutti. Merci beaucoup. Donc, comme vous a dit Madame la Consul, c'est la première année. C'est le premier festival et il est possible qu'il y en aura d'autres. Voilà. Donc, je voudrais introduire... Pardon ? Ah bon, d'accord. Voilà. Donc, on a fait pour ce premier, parce que c'est le premier Mardo 12, une France à l'italienne, on a voulu inviter des spécialistes, moi je dis vraiment des spécialistes, dans l'art, parce que vous êtes tous dans l'art. Que ce soit Cinzia, qui est une grande restauratrice et qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'accepter de venir, je la remercierai jamais assez. Voilà, Guillaume Mallory, donc que je connais puisque on s'est connus, mais on s'est connus pour voilà. Et donc Guillaume, donc directeur d'Historia. Historia est un magazine, comme son nom l'indique, d'histoire, et que je vous recommande. Et il m'a pas dit de le dire, mais moi, franchement, c'est un magazine qui est extrêmement fait, bien fait et intelligent. Voilà. Maria Chiara est une amie que j'adore, Prodi. Elle est non seulement jolie, souriante, brillante. C'est tout, ça va? Et en retard. Donc, elle va nous parler de l'opéra, puisque elle est à l'Opéra Comique, où tu es. Voilà, elle est co-artiste artistique. Comme vous voyez, on a toutes les phases, les différents métiers. Et puis, notre grand, l'unique journaliste italien à Paris, qui est notre référence à tous. Quand on veut savoir quelque chose politiquement, eh ben, on s'adresse à Alberto Toscano, qui a eu différentes fonctions et qui reste aussi journaliste à la revue La Voce, qui est la revue italienne. Voilà, de culture. Donc, je vous ai donné un petit peu... Voilà. Ben, c'est normal, on cite quand même tout le monde. Alors, on a pensé donner la parole, tant pis, à un homme. On commence par Guillaume. Alors, Guillaume, sur ton thème, est-ce que tu peux nous parler, un petit peu introduire, justement, ce que tu voudrais signaler ? Alors... D'abord, je vais rappeler que ce qu'on avait fait avec Alberto, et il va en parler à son aise après, on a fait un numéro d'Historia qui s'appelait « Ces Italiens qui ont fait la France ». Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un succès absolument considérable, enfin, comme vente, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qu'on vend d'habitude. C'est-à-dire que manifestement, entre les personnes qui ont un lien familial, entre ceux qui aiment l'Italie, entre ceux qui aiment, je sais pas quoi, la nourriture italienne, etc., ça fait un ensemble considérable d'empathie avec l'Italie et qui a permis le succès du numéro. Alors, j'ai re-regardé, je ne vais pas le refaire parce que Alberto en parlera. C'est marrant parce qu'en relisant, je me suis aperçu que moi j'ai traité de deux sujets. C'est les deux sujets où il y a eu des clashs entre les Italiens et les Français. Alors, je vais vous les rappeler parce que c'est toujours intéressant. C'est le lynchage des Italiens à Aigues-Mortes, qui a été un moment quand même extrêmement dur. Et le deuxième, c'est en 1793, c'est le livre de Vittorio Alfieri sur le Misogallo, qui est Alfieri était un personnage assez intéressant, il était fasciné par la Révolution française, mais quand la terreur a commencé à pointer le bout de son nez, il a considéré que les Français étaient incapables de faire une révolution proprement, et par conséquent, il est devenu très anti-français, et le Misogallo, ça a eu
plein de conséquences, y compris pendant l'Italie de Mussolini, etc. Donc, je vais m'arrêter là sur le rappel de ce numéro. Encore que je me suis aperçu d'une chose, je ne sais pas si tu l'as noté, Alberto, mais il y a un nouveau personnage qui pourrait rentrer dans la liste des Italiens qui ont fait la France. Je ne sais pas si vous le savez, c'est Brassens. Et je ne savais pas que Brassens avait été le fils d'une Italienne qui était une, si je ne dis pas de... De la Basilicate, effectivement. Et il l'a toujours, il l'a dit au tout début, puis après il la tue, vraisemblablement parce que c'était moyennement bien vu dans les années 50 de venir d'ailleurs. Bon, laissons tomber. Maintenant, je vais aller à ce que je voulais faire, c'est-à-dire je ne vais pas recommencer les Italiens qui ont fait la France, je vais remonter beaucoup plus haut sur le lien entre ce qu'on peut appeler les sœurs latines, c'est-à-dire les hérédités, si vous voulez, italiennes et françaises, c'est-à-dire les hérédités latines, à travers deux personnages. Vous savez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en génétique, on appelle ça les études épigénétiques, c'est-à-dire on s'est aperçu que quand on regarde, quand quelqu'un dans son histoire a eu un traumatisme très dur, ou quelque chose de très fort émotionnellement, eh bien, il y a des séquences de l'ADN qui sont impactées et que l'on retrouve après dans sa descendance. Et donc, c'est pour ça que j'ai remonté le temps au temps de l'Empire romain. Alors, vous allez voir, c'est assez étonnant. Le premier personnage que je voulais sur lequel je voulais m'arrêter très vite, c'est quelqu'un qui s'appelle Julien Laposta. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'idée à peu près de qui il est. Julien Laposta est un personnage assez extraordinaire parce que c'était le neveu de Constantin, celui qui a introduit le christianisme dans l'Empire. Et toute sa famille a été massacrée parce qu'il était de la branche cadette de Constantin et que l'empereur en poste, un certain Constance, ne voulait pas avoir de problème avec avec des héritiers ou des rivaux. Mais il y en a deux qui ont été épargnés, Julien et son frère qui a terminé aussi assez mal. Mais Julien, en revanche, a eu une destinée extraordinaire. Julien, Constance l'a mis, je ne sais plus où, en Asie mineure, quelque part, où il avait été baptisé, mais il a commencé à s'intéresser au stoïcisme, aux philosophes, au stoïcisme mystique, mais... Et petit à petit, il s'est complètement détaché du christianisme. Constance, ne sachant que faire, et c'est là qu'on va revenir en France, dans ce qui sera la France, à un certain moment, il en a besoin, et il le nomme en Gaule. Et il le nomme comme son représentant en Gaule. Et là, ce Julien, qui est un philosophe un peu excité, un peu énervé, toujours en train d'écrire... Finalement, il a fallu tout de suite lui tailler la barbe, parce qu'il avait la barbe comme les philosophes grecs. Et là, il se découvre un talent d'administrateur formidable, de militaire formidable, et il repousse les Germains, il acquiert une popularité en Gaule absolument considérable. À tel point que, première chose, Julien nous a laissé le tout premier témoignage sur Paris. Il n'y en a pas d'autre avant lui. Je vais vous le lire parce que c'est assez émouvant. Il était là où est la préfecture de police, quoi. Le palais était là. Il dit « J'étais alors en quartier d'hiver auprès de ma chère Luteste, les Celtes appellent ainsi la petite ville des Parisii. C'est un îlot jeté sur le fleuve qui l'enveloppe de toutes parts. Des ponts de bois y conduisent de deux côtés. Le fleuve diminue ou grossit rarement. Il est presque toujours au même niveau, été comme hiver. L'eau qu'il fournit est très agréable, très limpide, à voir et à boire. Comme c'est une île, les habitants sont forcés de puiser leur eau dans le fleuve. L'hiver y est très doux à cause de la chaleur, dit-on, de l'océan, dont on n'est pas à plus de 900 stades et qui, peut-être, répand jusque-là quelques douces vapeurs. Les habitants de ce pays ont de plus tièdes hivers, il y pousse de bonnes vignes et quelques-uns se sont ingéniés d'avoir des figuiers en les entourant pendant l'hiver comme d'un manteau de paille ou de tout autre objet qui sert à préserver les arbres et des injures de l'air. » Je m'arrête là.
mais c'est le tout premier, il n'y en a pas d'autre, le tout premier témoignage qu'on a de Lutèce, donc de Paris. Le deuxième phénomène extraordinaire, vous allez comprendre le personnage, c'est qu'il est appelé en renfort auprès de l'empereur pour se battre contre les Parthes. Toujours les mêmes histoires, il faut se battre contre les Parthes, puisque c'est sur le flanc est que l'empire est le plus fragile. Or, là, les Gaulois, qui ont toute sa confiance, les Gaulois refusent. Et ils le font empereur. À ce moment-là, l'empereur en poste va à sa rencontre pour lui ficher une tournée. Et au moment où la bataille, le jour de la bataille, Constance meurt. Julien devient empereur. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire qui permet de comprendre son nom, l'apostat. Et vous allez voir le lien avec la France parce qu'il est très important. Julien revient sur tous les privilèges qu'avait accordé Constantin à l'Église chrétienne. Et il décide d'un édit de tolérance en assurant l'équilibre entre les différents cultes païens et chrétiens. Il retire les monopoles de l'enseignement et un certain nombre d'autres monopoles qui avaient été accordés. Il restitue des temples aux païens. Et donc il crée, c'est anachronique de dire ça, mais il crée une espèce de pré-laïcité qui traumatise l'Église, parce qu'elle est à ce moment-là encore très naissante et très fragile, et elle est à deux doigts de... Alors, là, les historiens se combattent entre eux, mais elle est à deux doigts de véritablement rentrer en crise sur cette affaire. À tel point que Julien avait toute une vision du monde, il avait décidé de faire reconstruire le temple de Jérusalem, il a commencé d'ailleurs à le faire, et puis il part contre les Parthes, et là, il est tué, dit-on, par une flèche qui venait d'un soldat chrétien, mais ça, bon, personne ne peut le trouver. Mais ce qui est important, c'est la suite de cette affaire. C'est que ce Julien, sa mémoire, la portée, va être développée par qui ? Défendue par qui ? Par Voltaire, et aujourd'hui, par exemple, par quelqu'un comme Régis Debray. Vous voyez, vous avez une continuité de cette tradition qui vient du fond de l'Empire vers la France, qu'il a récupérée. Et c'est dans les lettres de Voltaire à Frédéric qui sont extraordinairement intenses, parce que Voltaire défend l'idée de la tempérance, et Montaigne aussi, Montaigne le récupère. Donc voilà un des liens, je dirais, génétiques, hein, très anciens, du lien entre la matrice, je dirais, latine, et la matrice gauloise et plus tard romaine. Deuxième personnage, quelqu'un qui est moins connu, mais qui est assez fascinant, qui s'appelle Rutilius Namatianus. Rutilius Namatianus, alors là c'est un peu plus tard, c'est quelqu'un de Gaule Narbonnaise, et qui est sénateur à Rome, et qui, après que Rome soit tombée, vit à Rome, et là il revient de Rome. Et revenant de Rome, il écrit un ode, il va à Narbonne, il écrit un ode que je vous conseille, c'est édité aux belles lettres, qui est extrêmement émouvant. Pourquoi ? Parce que ce Rutilius Namatianus ne comprend strictement rien à ce qui se passe. C'est-à-dire, il pense que les Gaules vont être battus, que de toute manière, l'Empire va revenir, etc. Mais il y a les plus belles... Alors, il est très réactionnaire, il est contre les chrétiens, il comprend rien. Il dit tous ces gens qui sont des cafards, qui se replient dans des églises, qui sont des moines. Il ne comprend rien à rien, mais son témoignage de la manière dont il voit le droit universel est parmi les plus beaux que l'on ait dont on est la trace. Alors je vais vous le lire parce que sans le lire, on ne comprend rien. Vous allez voir, moi, c'est à pleurer. Enfin, c'est une des choses. Et vous verrez que, voilà. Écoute-moi, reine magnifique du monde, devenue ton domaine, Rome, toi dont l'astre brille parmi mes étoiles. Écoute-moi, mère des hommes, mère des dieux, les temples nous rapprochent du ciel. Je te chante, je te chanterai toujours. Aux nations diverses, tu as fait une seule patrie. Les peuples qui ignoraient la justice ont gagné à être soumis par tes armes. En appelant les vaincus au partage de tes droits, de l'univers que tu as fait
une seule cité. Et toi, dont les triomphes embrassent et civilisent le monde entier, tu fais de l'univers une vaste société. C'est toi, déesse, toi que célèbrent tous les peuples devenus romains, tous portent, je trouve cette phrase extraordinaire, tous portent une tête indépendante sous ton joug pacifique. Je m'arrête là. Ce que je veux dire, c'est que cet accent-là, cet accent sur le droit universel, quand même, qui est rarissime dans l'Antiquité, hein, parce que dans l'Antiquité, on a des monarchies, on célèbre des rois, on ne célèbre pas une cité et un droit universel. C'est proprement romain. Et cette tradition-là, eh bien, on va la retrouver plus tard pendant la Révolution française. La Révolution française est fascinée par Rome et elle cite avec le même accent, le même enthousiasme, le même pathos, parfois un peu exaspérant, mais avec la même volonté d'universel, ce que l'on retrouve dans le texte de ce pauvre Namatanus qui revient comme il peut dans sa Narbonnaise. D'ailleurs, en travaillant sur le, en regardant ça tout à l'heure, je me suis aperçu qu'il arrive dans ses terres narbonnaises où il va être obligé, parce qu'il y a un accord qui a été fait avec les Goths, il va être obligé de céder un certain nombre de terres qui appartenaient soit à des propriétaires privés, parce que c'est une province impériale à l'Empire, il les redistribue aux envahisseurs visigoths. Donc on voit là une espèce de... malgré ça, il reste axé sur la notion d'universalité du droit. Et voilà, je voulais vous en faire part, parce que pour moi, ça fait partie d'un paquet, si vous voulez, de gènes que l'on retrouve de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et qui passe par l'Italie. Voilà. Merci beaucoup, c'est passionnant. Vraiment, ce droit universel, on oublie et on ne connaît pas l'origine. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant et inattendu, parce qu'on ne sait pas. Voilà, on va passer à un autre domaine qui est aussi fascinant pour moi, parce que j'aurais voulu faire le métier de Cynthia, mais ça m'aurait passionnée, moi qui adore aller dans les musées, qui adore les tableaux. Et donc, c'est une grande restauratrice et elle a restauré des tableaux au Louvre. Voilà, entre autres, et puis elle va nous expliquer ça d'abord, entre autres, et puis elle va nous dire où aussi, peut-être, et quel tableau, peut-être, c'est possible de dire ? Oui. C'est possible. Alors ça, c'est formidable, et je crois que... et puis elle va nous dire aussi comment on arrive à restaurer, parce que ce n'est pas évident, et quel temps on met pour un tableau. Alors, je suis effectivement restauratrice d'œuvres d'art. J'avais préparé des images, je ne sais pas si c'est possible de les mettre. Au fait, je ne vais pas me prévaloir d'être un des Italiens qui a fait la France, mais il faut que quand même on sache que la restauration, le secteur de la restauration, comment on fait ? On fait avant ? En bas ? Et après en bas. Parfait. Donc la restauration d'œuvres d'art, c'est quelque chose qui est en Italie depuis les années 30. C'est la première école d'État qui a été créée en Europe et donc dans le monde. Et que pour vous faire un parallèle, en France a été créée la première école d'État dans les années 70. Vous voyez, donc il y a 40 ans qui séparent ces deux écoles. Et de ce fait, les restaurateurs italiens, en fait, ils sont reconnus partout dans le monde depuis les années 30 comme étant vraiment des maîtres dans la matière. Alors en étant restaurateur, effectivement, on approche les grands artistes. Il y a plein de grands artistes, peintres, sculpteurs, architectes italiens qui sont travaillés en France et de laquelle la France nous a admiré les talents. Et on ne peut pas parler de ça sans parler de Léonard de Vinci. Et au fait, j'ai connu plus intimement tous ces artistes. Quand je suis venue en France, j'y suis installée depuis 30 ans et j'ai commencé à travailler pour le patrimoine français, surtout les musées de France, où il y a énormément d'œuvres qui viennent d'Italie. Et j'ai eu la chance de travailler sous Léonard, de restaurer un des tableaux de la collection du Louvre, deux tableaux
tableau de la Gaussion du Louvre de Léonard da Vinci. Et au fait, à travers cette restauration, je me suis approchée de ce que j'avais pensé toujours un mythe un peu calvaudé. J'avais toujours pensé, quand je commençais mon travail, qu'on faisait toute une histoire sur les œuvres de Léonard, mais que finalement, il était beaucoup moins belle que d'autres. Et après, je suis tombée dedans et j'ai attrapé la Léonardomanie, une espèce de choses qui rendent fou, parce qu'il y a des gens qui dédient leur vie à percer cette mystère de Léonard. Et Léonard, c'est quelqu'un qui naît à Florence en 1445 et qui, après, il meurt en France, dans les bras de François Ier, où il vient dans les trois dernières années de sa vie, à partir de 1516 jusqu'à 1519. Et au fait, il meurt dans le château de Clolouzet, en Boise, où François Ier l'installe. Il meurt, la légende veut, dans les bras de François Ier. Et au fait, il amène avec soi trois magnifiques tableaux qui maintenant ils sont au Louvre, la Sainte-Anne, la Joconde et Saint-Jean-Baptiste, et peut-être d'autres qu'on ne connaît pas, parce que les mystères de Léonard, même aujourd'hui, il n'a pas été percé jusqu'au bout. Et alors, dans le Clolouzet, ils sont reconstitués un peu l'atelier de Léonard de Vinci, en sachant que Léonard, pour le roi de France, il ne fait pas que peindre des tableaux, mais il fait beaucoup de choses, parce que Leonardo sait faire beaucoup de choses. Et parmi d'autres, par exemple, il organise ses fêtes, ses événements, et il construit des automates pour divertir les invités de François Ier. Parmi d'autres, il construit un automate d'un lion qui marche. Et au fait, en marchant, sa poitrine s'ouvre et dedans, il y a de fleurs frais qui se répandent sous son chemin. Vous voyez, il fait des choses extraordinaires que les gens connaissent moins bien que les tableaux. Ça, c'est un des tableaux qui décrit, au fait, la relation entre François Ier, qui appelle à Léonard son père, et que vous voyez qui est à côté de lui, et lui fait voir un tableau de Raphaël, la Sainte Famille, qui est également de la Gaussion du Louvre, parce que François Ier, il essaye de faire venir plein d'Italiens travailler en France. Vous voyez que nous sommes dans la salle des bals de Fontainebleau, où il y a eu Primaticcio, Rosso Fiorentino, Nicola dell'Abate, tous des peintres qui François Ier fait venir d'Italie, parce qu'il est très admiratif des artistes italiens, et la Sainte Famille de Raphaël, elle est encore au Louvre. Au fait, souvent, j'entends dire que la Joconde a été volée aux Italiens, mais au fait, François Ier l'a acheté à Léonard, il lui a acheté tout son héritage avant qu'il meure, au fait. Et donc là, c'est un tableau des Ingres, un tableau qui décrit la mort de Léonard dans les bras de François Ier. C'est ce qui est en légende, parce que le jour de la mort de Léonard, donc c'est le 2 mai de 1519, au fait, le roi, il était al baptême d'un de ses fils. Mais il paraît que quand il a su qu'il était décédé, il est éclaté en sanglots. Alors, la Gaussion du Louvre, il est fait de cet héritage qui François Ier achète à Léonard, et puis d'autres tableaux qui sont arrivés après. Donc, vous voyez, c'est la collection plus importante des peintures de Léonard qui existe au monde, celle du Louvre. Léonard qui a peint en tout 16 tableaux, donc très peu, et des lesquels 6-7 sont au Louvre. Je dis 6-7 parce qu'il y a des tableaux qui ont été donnés à Léonard et qui puis changent d'attribution. Ça, c'est un peu l'histoire de l'art. C'est un domaine vivant dans lequel les nouvelles découvertes, que ce soit scientifiques ou des sources d'archives, font souvent changer les attributions des tableaux. Donc, vous voyez, on a la Verge à Rocher, la Belle Ferronnière. Nous avons la Saint-Jean-Baptiste, la Sainte-Anne avant la restauration, la Joconde. Et ces deux tableaux, le Bacchus et l'Annonciation. Le Bacchus, c'est le dernier que j'ai restauré. Je l'ai restauré, ça fait 2 ans maintenant. Et au fait, ils sont changés d'attribution, mais ils sont attribués à l'atelier de Léonard. La Sainte-Anne, c'est le premier tableau de Léonard que j'ai restauré. C'est un grand tableau, hein, parce qu'il fait presque 1,80 d'auteur. Et au fait, vous voyez, avant la restauration, c'était quelque chose qui était très terne. Et les gens, ils disaient que c'était presque un monochrome. Okay. Donc, Léonard, il utilisait très peu de couleurs et qui était un peintre intimiste et intellectuel. Et au fait, ce tableau, il est en très bon état. Vous voyez, ça, c'est le revers.
Il révèle que c'est encore dans l'état, parce qu'en occasion de la restauration, on a découvert que derrière, au fait, il y a des dessins de la main de Léonard. Vous voyez sous la droite, c'est une image en infrarouge. Au fait, c'est une technique diagnostique qui met en évidence les dessins à base de carbone. Et vous voyez, donc, ça, c'est les trois dessins qu'on a trouvés, qui correspondent à la tête de cheval à la bataille d'Angari. Sous la droite, c'est la moitié d'un crâne qui est, de lequel le dessin est conservé en Windsor. Et en bas, vous voyez l'enfant de la Sainte-Anne qui est dans l'autre côté. Et on a découvert les dessins de Léonard de Vinci, toujours avec la même technique. Vous voyez, c'est extraordinaire parce que Léonard, il a beaucoup de techniques différentes qui se superposent. Vous voyez là les petits points que vous voyez dans les lignes, c'est ce qu'on appelle un spolvero. Au fait, on fait un modèle grandeur nature, on l'applique sous le tableau, on lui fait des petits trous tous les longs de la ligne de dessin et puis on frotte un sachet de poudre de charbon pour reporter les dessins. Et après, il le reprend avec un liquide qui est appliqué avec un plume d'oie. Donc, c'est toutes des choses qui sont comme une calligraphie, au fait. Et ça, vous voyez la Sainte-Anne avant la restauration, les premiers tests de nettoyage et après le premier nettoyage. Plusieurs niveaux de nettoyage ils ont été faits. Vous en doutez, j'ai eu une commission scientifique et beaucoup de polémiques pendant que j'ai fait cette restauration parce que Léonard, c'est un mythe mondial et quand on le touche, effectivement, les gens s'en inquiètent. Et vous voyez aussi, on a découvert que ça, c'est la première phase de nettoyage qui n'a pas suffi. Après, on en a eu un autre qui allait plus profondément. Donc ça, vous voyez le tableau après le nettoyage. Vous voyez, il y a très peu de lacunes. C'est un tableau en très bon état. Il est toujours resté au Louvre, en fait. En achetant le fond de l'héritage de Léonard de Vinci, au fait, François Ier, il a commencé la collection des musées du Louvre. C'est le premier fonds qu'il a acheté. Et puis, vous voyez que ce bleu extraordinaire, que c'est un bleu de lapis-lazuli, qu'on ne croyait pas qu'était dans le tableau, en fait. On avait pensé que ce soit un bleu qui s'était altéré, devenu gris. C'est un tableau qui est fait à partir de la pierre dure, donc de lapis-lazuli broyé, chose qui était très chère à l'époque parce qu'il venait d'Afghanistan et que Léonard utilise pratiquement pur. C'est ce qui donne une luminosité au tableau qu'on ne retrouve pas dans d'autres œuvres et dans d'autres artistes. Et ça, c'est les traces de ses doigts. Donc, on a trouvé pendant la restauration ses empreintes digitales. C'est ce qui a été un moment très émouvant pour moi, au fait, de penser de mettre les mains où lui, il avait touché le tableau. C'est une technique qu'il utilise pour estomper, faire cette fameuse sfumato qui tout le monde lui enviait et essayait de copier. Et ça, c'est avant et après la restauration de la Sainte-Anne, qui est vraiment un tableau extraordinaire. C'est pas le seul peintre qui, je dirais que de Léonard, on peut dire vraiment que c'est un des Italiens qui a fait la France. C'est pas le seul artiste, mais je voudrais aussi, pour conclure, pour pas prendre trop de temps, rappeler c'est ce qui est aussi pas les artistes, mais les artisans d'art italiens qui sont été aussi des Italiens anonymes qui sont fait la France. Ça, c'est la Galerie des Glaces. J'ai eu la chance de restaurer entre 2003 et 2007 avec une équipe de 60 personnes, dans lesquelles il y avait pas mal d'Italiens dedans. Toujours pour la raison que le travail sur la restauration monumentale en Italie est beaucoup plus connu et maîtrisé qu'en France, où il y a moins des grands décors monumentaux peints. Et au fait, dans la Galerie des Glaces, déjà le peintre du roi Louis XIV, Charles Lebrun, c'est quelqu'un qui allait en Italie, à Rome, à étudier. Donc beaucoup de peintres français ont été apprendre la peinture en Italie. Et puis, je voulais vous parler des glaces, au fait. Les glaces extraordinaires qui donnent à cette galerie borgne l'impression que les jardins sont de deux côtés. Parce que sous la droite, vous avez les fenêtres et sous la gauche, vous avez les miroirs. C'est une galerie très importante. Et au fait, les glaces, ils ont été faits par les maîtres verriers de Venise. Donc, Louis XIV, il a fait venir parce que c'était les seuls qui faisaient les glaces au mercure. Et donc, c'était les seuls qui pouvaient habiller une chose si importante. Et quand ils sont étés en France, Louis XIV a créé Saint-Gobain avec le secret des maîtres verriers, au fait, qui sont après été
tué, au fait. Alors, les Français, ils disent que c'est les Italiens qui l'ont tué parce qu'ils avaient trahi les secrets des glaces. Et les Italiens, ils disent que c'est les Français pour créer Saint-Gobain qui lui sont pris tous les secrets et après, ils leur font disparaître. Voilà, je conclue effectivement sous cette remarque que les Italiens qui font la France, ce ne sont pas seulement les grandes personnalités, mais aussi tous les gens, tous les artisans d'art, tous les gens capables dans des domaines où la France était les témoins et qui sont faits, ils sont aidés aussi à construire cette richesse culturelle française. Voilà. Merci beaucoup. Je trouve passionnant de redonner naissance, finalement, au tableau, parce que vous redonnez vie. Alors, disons que plutôt, on les soigne. Hein. Donc, ils sont nés par... je dirais que c'est un peu comme les médecins avec les personnes. On ne peut pas les faire renaître, mais on peut les conserver le mieux possible. Voilà. Et les épanouir, parce que je trouve... Voilà, et les révéler, au fait, avec une nouvelle lisibilité... qui en découvrant au fait leur vraie nature. Et vous n'êtes pas émue quand vous terminez un tableau? Alors non, parce que au fait je suis plutôt dans la technique. C'est un peu comme effectivement encore une fois, je vais le parallèle avec les médecins. S'il est trop ému, il n'arrive pas à vous opérer tranquillement. Donc je suis dans la technique au fait quand je suis sur une œuvre. Donc techniquement, je l'aborde techniquement. Au fait, l'émotion ça vient quand vous réfléchissez. C'est ce que vous faites, plutôt bien après vous avez terminé. Donc, côtoyer Léonard, effectivement, ça n'a pas été anodin pour moi. Comme d'autres peintres, je dirais que j'ai le même enthousiasme avec tous les artistes, mais Léonard, peut-être, c'est quelque chose qui vous prend la tête davantage. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Maria Chiara Prodi, qui va nous parler de l'opéra. Peut-être va-t-elle... la naissance de l'opéra ou alors le rapprocher, parce que l'opéra, on pense toujours à l'Italie pour l'opéra. Absolument. Bah déjà, merci Jacqueline de m'avoir invitée à participer à cette soirée. Jacqueline anime les échanges entre France et Italie au niveau culturel, mais pas que, avec son énergie et sa constance que tout le monde lui reconnaît. Je suis ravie d'être ici aussi, que ce lieu soit ouvert pour la culture et ces échanges, donc merci aussi à notre consul général et Hermano Sanchez Ruivo que je vois en première ligne pour nous rappeler que les relations entre France et Italie sont dans les contextes aussi plus larges de la culture en Europe et dans l'histoire et aujourd'hui aussi. Donc ce soir je vais vous parler de mon théâtre. Je dis mon théâtre parce que j'y travaille depuis 16 ans, c'est l'opéra comique et au fait cette présentation sera je crois plutôt une déclaration d'amour. Vous me le pardonnerez. Et en fait, en la préparant, je me disais, mais c'est clair, j'étais jeune, aux premières armes dans la vie professionnelle, et je me suis sentie accueillie par le Théâtre National de l'Opéra Comique. Et c'était naturel, et j'ai compris en préparant cette présentation que c'était naturel pour deux raisons. C'est le théâtre lyrique qui a toujours donné une place importante aux femmes. Il y a des femmes qui ont dirigé le théâtre, qui ont écrit pour le théâtre, qui ont chanté, bien évidemment, qui ont mis en scène. Et ça, depuis le 18e siècle jusqu'à nos jours. Donc voilà, en étant femme, je me sentais bien à l'aise. Et puis, je me sentais à l'aise en étant italienne, parce que c'est le sujet de ce soir. Je vais vous raconter comment les relations entre France et Italie ont façonné l'histoire de ce genre musical. Et comment voilà, ça s'est fait au fil des temps. Avant la naissance de l'opéra comique, pendant et encore, ça continue, ça fait 300 ans que ça dure, comme on a dit, à l'occasion du tricentenaire qu'on a célébré en 2015. Pour commencer, déjà, je voudrais faire juste un guise de préambule, effectivement, peut-être un moment technique, comme on disait, de terminologie, parce que quand on parle d'opéra comique, on parle d'un genre, d'une institution et d'un lieu. Et les genres, c'est vraiment très spécifique, très particulier, et c'est un mélange de chanter et parler. Quand il y a un genre musical qui naît, en fait, on ne rigole pas avec les ingrédients qu'on y met dedans, et surtout, on ne rigolait pas du tout quand l'opéra comique est né. Voilà, là, on célèbre les 300 ans parce qu'on met la naissance officielle de l'institution à 1715, mais en fait, comme je vais vous raconter, ça date même d'avant.
parce que il y avait des troupes dans les foires qui faisaient de la comédie, du théâtre, dans les foires parisiennes. Et ces troupes avaient des échanges, des conflits, des fusions, des discussions et des projets avec les troupes de la Commedia dell'arte italienne. Et de ces relations est né ce genre qui se veut populaire et qui, du coup, avait un lien très fort avec son public. Ça ne s'est pas dans les cours, ça ne s'est pas dans les esprits de mécènes ou de grands rois, c'était vraiment dans les foires. Et c'était très courant, d'ailleurs, que les premières opéras comiques puissent être en réalité des parodies de genre sérieux, qui puissent être là pour critiquer les pouvoirs et pour faire rire et fédérer un peuple. Donc c'est intéressant parce que ces genres du coup naissent de cette façon et tout de suite il est évident qu'il a du succès et il s'est créé des ennemis. Et comme je vous disais, on ne rigole pas avec les ingrédients qu'on met dans un genre artistique parce qu'à l'époque tout était très cadré. Il y avait l'Académie royale de musique qui s'occupait, qui avait les privilèges, on disait, s'occupait du chant. On avait la Comédie française qui s'occupait du parler. Et c'était quoi ces gens qui s'inventaient un genre nouveau et qui prétendaient d'avoir de l'espace? Eh bien, ce qui est intéressant dans l'histoire de l'opéra comique, c'est justement que c'est des artistes qui ont créé cet espace, qui a toujours été un espace de création, d'innovation, d'irrévérence et des questionnements de pouvoir et d'innovation et populaire. Et quand on, justement, dans la tricentenaire, on a dit ça fait 300 ans que ça dure, c'était pour célébrer l'effet que, bien évidemment, un genre et des artistes qui servent un genre comme ça, bah, ils n'ont pas une vie facile. Donc, on en rigole parce que bon, j'ai 10 minutes pour vous raconter 300 ans d'histoire, donc je ne peux pas vous raconter toutes les anecdotes, mais en rigolant, on dit que bah, c'est nous qui avons inventé les bandes dessinées, parce qu'en fait, il y a un moment donné où la Comédie française ne voulait pas qu'on fasse nos spectacles. Je dis « nous », mais je n'étais pas née, bien évidemment. Et du coup, ils chantaient, et puis pour faire avancer l'action, ils rentraient en scène avec des pancartes pour montrer qu'est-ce qu'il allait se produire. Donc, cinéma muet ou bande dessinée, mais en fait, cette idée-là de contourner en fait, les contraintes que les autres nous imposaient, c'est toujours pour nous une occasion de rebondissement pour trouver des nouvelles ruses et des nouvelles solutions. Donc, voilà, il y a eu ces débuts un peu compliqués où nos confrères ne nous aimaient pas trop. Mais voilà, à un moment donné, l'institution est née. Et du coup, on a eu, nous aussi, notre privilège de pouvoir faire nos spectacles. Et du coup, voilà, bien évidemment, ce qui me tient à cœur, c'est de vous raconter l'histoire de l'opéra comique sans pour autant prétendre qu'on avait les monopoles des relations entre France et l'Italie. Voilà, on a eu la querelle de Buffon, on a eu tous les spectacles et les artistes qui ont composé pour la cour, des opéras sérieux, et voilà, il y a eu tout. Mais je pense que ce soir, vraiment, ce qui est intéressant, c'est de témoigner ces fils rouges qui a façonné un genre et qui lui a permis d'exister pendant tout ce temps. Et voilà, de regarder l'histoire avec ces petits chapitres qui se ferment et s'ouvrent et qui sont les chapitres des vies des gens. Donc, on n'était pas protégé par quelque chose qui était plus grand de nous, comme un roi. Donc, si vous regardez de près l'histoire de l'opéra comique, il y a des faillites, il y a des fermetures, il y a des déménagements, il y a des fusions, donc des fusions avec les théâtres italiens, avec la comédie italienne, avec voilà, les troupes. C'était des familles, c'était des familles aussi d'art et d'esprit qui créaient ensemble. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ces liens, finalement, qui est un lien aussi des artisans, comme disait Cinzia tout à l'heure, ce n'était pas que des génies qui faisaient ça, c'était vraiment plutôt des productions qui permettaient aux gens de se retrouver, de se questionner, d'avancer. Et donc, quand je disais que c'est un genre et c'est une institution, et puis c'est devenu un lieu, c'est aussi pour témoigner que ces fils rouges, cette force qui n'était pas du haut mais du bas, a toujours réussi à faire entendre sa voix au fil des siècles et à construire sa place unique dans le panorama des institutions culturelles, au point où, voilà, au final, on a eu un lieu, un vrai lieu.
c'est les ducs de Choiseul qui, voilà, peu avant la moitié du XVIIIe siècle, nous a fait cadeau d'un petit morceau de terre. Et là, on a construit celle que, après, on a toujours appelée Salle Favart, du nom du premier dramaturge de l'opéra comique, qui d'ailleurs avait une femme, Justine Favart, qui était justement, pas que la femme de Favart, mais elle était vraiment voilà, un personnage, un protagoniste de la vie culturelle d'époque. Et ces lieux, c'est intéressant parce que, voilà, c'est pas que quand tu as tout trouves, ton port est tranquille, parce que ça a brûlé deux fois. Et la deuxième fois, c'était tellement un ravage, et puis ça fait tellement de victimes, et ça a vraiment, voilà, ça a vraiment marqué les esprits. Mais encore une fois, il y a eu l'occasion de rebondir, et du coup, à la reconstruction de l'opéra comique à la fin du 19e, ça a été le premier théâtre qui a été construit avec l'électricité. Donc, comme c'était à cause des luminaires qu'il avait brûlé, voilà, il y a eu l'occasion de se dire, bah, de ces tragédies, on va repartir sur quelque chose de complètement novateur, nouveau, et qui protège les gens qui viennent assister au spectacle. Et bien évidemment, voilà, le lieu que vous voyez maintenant peut, et là j'en reviens à mon introduction, vous accueillir et vous surprendre pour deux choses. La première, c'est que vous êtes accueillis par deux femmes, deux statues, Carmen et Manon, qui sont nos muses, et qu'il y a des noms de compositeurs qui sont inscrits dans le hall du théâtre quand vous rentrez, et vous pouvez regarder et trouver des noms d'Italiens, parce que c'est clair que même si pas toutes leurs œuvres ont été créées ici dans leur version française, parce que voilà, on traduisait, on était beaucoup plus libre sur l'utilisation de ces ouvrages à l'époque, mais vous verrez voilà, qu'il y a les noms de Rossini et de Donizetti, entre autres, parce que cet esprit-là était très fort et que déjà La fille du régiment de Donizetti a été créée là-bas, Falstaff de Verdi a été créée là, et ces lieux doivent beaucoup à ces compositeurs qui, italiens, ont fait la France parce qu'ils ont choisi de vivre ici longtemps. Après, bon, c'est les petits moments où je vous recommande aussi de lire voilà, notre livre sur le Père Lachaise, où on parle de beaucoup de personnalités, aussi des chanteurs, de compositeurs. Moi, je me suis occupée un petit peu d'Angelo Tarchi, qui était un compositeur d'opéra comique, mais voilà, ça exprime bien la variété de personnes, peut-être pas tous très connues, mais qui ont donné quelque chose à cet esprit, à cette histoire. Alors, on a l'impression, quand on parle d'opéra, que c'est quelque chose du passé. Et alors, je suis très fière d'avoir servi aussi le théâtre dans ces dernières 16 ans, parce qu'on a eu pour mission, là, on parlait tout à l'heure de donner renaissance à des ouvrages. En fait, nous, on disait, on dépoussière. Parce qu'on a toujours cru que, en fait, ces répertoires d'opéra comique étaient un peu ringards, un peu dépassés. Et puis, avec les directions de Jérôme Deschamps et Olivier Mantei dans ces années-là, on a vraiment essayé de rendre justice à cette méthode, à cette idée de pouvoir utiliser des histoires, non pas seulement pour raconter les histoires des personnages, mais aussi les contextes d'une société, et de pouvoir se questionner à travers ces ouvrages-là. Et on l'a fait avec des metteurs en scène qui ont su s'emparer de ces défis-là pour rendre quelque chose qui pouvait effectivement sembler méconnu. Et moi, je dis toujours que je suis très fière de cette opération culturelle-là, parce que je pense que par rapport à nos confrères plus connus et plus riches de l'Opéra de Paris, nous, on a l'avantage qu'on voilà, on donne très, très souvent des ouvrages que personne ne connaît. Et alors, dans un monde où tout le monde vient au spectacle avec ses références, parce qu'il a écouté Thébal, Dical, c'est tout, alors on ne peut pas faire les choses différemment de comment je l'ai entendu au disque. Nous, on a cet avantage-là, les gens viennent parce qu'ils nous font confiance, ils savent strictement rien de ce que c'est les Préauclairs, les Postillons de l'Anjoumeau, et de plein de titres absurdes qu'on a pu donner chez nous. Ils nous font confiance et ils restent émerveillés parce qu'il y a cette vitalité que le théâtre porte depuis sa naissance, qui est une vitalité qui est donnée par aussi l'essence d'une famille, d'une troupe d'artistes qui a envie de passer un message, pas de faire de la starification de tel artiste plutôt que de tel autre. Et c'est ça, c'est vraiment, je pense encore aujourd'hui, notre force. Et notre force, c'est aussi que voilà, la création, ça ne s'arrête pas. Je vous donne une nouvelle extraordinaire. Il y a des compositeurs qui sont vivants
et qui écrivent d'opéra. Donc voilà, j'ai pas, moi je j'adorais écouter Cint et je trouve qu'on est complémentaires parce que justement, voilà, moi en séjour ci, on a Philippe Persan qui répète avec nous sa création sur un livret de Jean Echenoz sur la vie de Nikola Tesla qu'on va donner en première les 2 novembre. Et c'est magnifique, dans 50 ans, j'en parlais avec les artistes, les chanteurs qui vont créer ça, en fait, ils vont trouver la première page de livret ou de piano-chant de cet opéra, en marquant, voilà, Tartampion, créateur du rôle. Et ce n'est pas quelque chose qu'on lit sur Wikipédia ou qu'on regarde du passé, mais c'est quelque chose qu'on continue à porter parce qu'on a des créations contemporaines tous les ans. Et je vais conclure ma intervention juste... Justement avec ça, que les compositeurs italiens sont encore à l'honneur de ces processus de création. Et dans ces 16 ans où j'ai servi l'institution, on a fait beaucoup de créations et 2 ont été portées par des Italiens, Marco Stroppa et Francesco Filidei. Donc Marco Stroppa, en 2012, qui a créé Reorso sur un livret de Boito. Pour revenir à l'histoire, donc, il s'est servi d'un livret du librettiste de Verdi pour faire un opéra contemporain avec un totem acoustique qui rentrait en plein milieu de la scène et qui était forgé par nos amis à propos des artisans de très haut niveau de l'IRCAM. Et Francesco Filidei, alors si vous n'avez pas vu l'inondation en 2019, je vous supplie, venez la revoir. On a déjà annoncé pour vous préparer qu'on la refait en 2023. Venez, parce que c'est vraiment de la musique sublime. C'était un projet qui a créé avec Joël Pomera, donc à propos de France-Italie. C'est extraordinaire quand il y a un metteur en scène qui travaille avec un compositeur sur un projet. Et pour revenir à l'opéra comique et pour vous donner un sens dans l'aujourd'hui de ce qu'on fait, pour créer ça, on y a mis quand même 2 ans, parce qu'on a fait en sorte que les 2 créateurs puissent travailler beaucoup en amont, faire des ateliers qui étaient des semaines de travail avec des artistes, et c'était de l'improvisation, et ils prenaient ce que les artistes leur donnaient. Donc c'est vraiment, encore une fois, peut-être une expérience unique au monde. Ça n'arrive pas tous les jours. Souvent, il y a un compositeur qui ponde son projet, et puis à d'autres de les mettre en œuvre. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Et l'inondation, je vous invite vraiment à venir la voir, parce que c'est d'une puissance unique. Et Francesco Filidei est un compositeur magnifique qui a beaucoup, et comme Marco Scorpa, grandi dans son art ici à Paris, en contact avec la vie parisienne. Et nos compositeurs sont régulièrement accueillis justement dans les grandes institutions parisiennes, que ce soit les conservatoires ou l'IRCAM, où on apprécie encore aujourd'hui cette créativité qu'on porte. Donc ça, c'est une histoire que j'ai essayé de vous raconter en 10 minutes, je mis ma montre pour la fin. Mais c'est pour dire que je crois que ce qui fait la grandeur de nos relations et la beauté de nos relations, c'est justement dans ces langages d'amour qui lient nos 2 pays et nos 2 communautés. Et que j'aurais envie de dire que c'est presque une question de méthode au quotidien, de s'écouter, d'aller de l'avant et se donner les espaces. Et la France, pour ça, a fait grand les Italiens, parce que les institutions françaises ont toujours permis justement de trouver un ancrage à cette créativité qui peut sinon être pas suffisamment valorisé ou un peu volatile. Donc je pense que dans la complémentarité de nos 2 pays, voilà, c'est un témoignage l'opéra comique. Après, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais il y a eu vraiment de belles choses. Tu nous as parlé de la vitalité de l'opéra comique, mais on le sent à travers toi. Vraiment, on sent ton enthousiasme et tu nous donnes envie vraiment d'aller à l'opéra comique. Et les origines aussi est très très intéressante, ce que tu nous as dit de la naissance aussi de l'opéra comique, où tout le monde ne sait pas comment ça a pu naître, comment c'est arrivé. Et on parle tout le temps beaucoup plus de l'opéra que de l'opéra comique. Et c'est en ça, moi je trouve ça très très intéressant ce que tu nous as dit. Et mon Dieu, je pense qu'on va tous aller à ce spectacle dont elles ont parlé,
je crois qu'on devrait prendre rendez-vous et y aller tous ensemble. Merci beaucoup, Maria Carla, c'était passionnant. Alors maintenant, c'est mon ami que j'adore. Sa femme est là, mais elle va accepter. Alberto Toscano. Est-ce que là, Alberto Toscano, pour moi, c'est un homme extraordinaire qui a une vitalité, une jouissance de la vie. Il est toujours partant, il a toujours des idées, il est toujours partout. Alors moi, je voudrais savoir aujourd'hui, parce qu'il ne m'a rien dit, hein, je voudrais savoir aujourd'hui, Alberto, est-ce que ça sera le journaliste, l'essayiste ou le politologue que nous aurons aujourd'hui, ou alors les trois? Ça serait bien que ce soit les trois quand même. Grazie Jacqueline, merci à vous tous, merci Hermano d'être là, merci Irene de cette organisation, merci à tous les amis qui sont là ce soir. Vraiment, j'ai la sensation de parler à un groupe d'amis et d'être presque tous ensemble à dîner, ou au moins boire un spritz tous ensemble en parlant de l'Italie et de la France. Et chacun parle de son expérience, moi je parle de la mienne, parce qu'on n'est pas là pour raconter l'histoire de l'immigration italienne en France, vous la connaissez parfaitement. Et moi je parle de l'expérience d'un journaliste à la retraite, qui un certain jour reçoit un appel téléphonique de son ami Guillaume Mallory, et qui lui dit, écoute, j'ai quitté le Nouvel Observateur, il était le rédacteur en chef du Nouvel Observateur, j'ai quitté le Nouvel Obs, maintenant je suis le directeur de Historia, est-ce que tu as, je voudrais te voir, on se voit déjeuner, et il me dit, est-ce que tu as des idées pour faire des choses pour Historia. Et c'est comme ça que Guillaume et moi, on commence à parler d'un numéro spécial du magazine Historia, sur l'immigration, sur les Italiens qui ont fait la France. Ça naît autour d'une bouteille de rouge. Je ne sais pas si on a bu seulement une bouteille ou deux. Voilà. Mais l'idée était bonne quand même, donc ça fait du bien. Et on commence à l'organiser, ça n'a pas été simple. D'autres amis et collègues ont participé à l'initiative. Et à la fin, effectivement, ce numéro spécial un bon succès de vente et surtout d'intérêt. Et c'est le révélateur. Les ventes ne sont pas le résultat d'un phénomène de marketing. Ce sont le révélateur du fait qu'en France, il y a une énormité de personnes d'origine italienne qui ont envie de retrouver leurs racines. Et quand, à partir de cette expérience, j'ai commencé à écrire le livre sur les Italiens qui ont fait la France et à participer avec d'autres personnes qui sont dans cette salle, aussi au livre dont Maria Chiara parlait, Les Italiens du Père Lachaise. Et à ce moment, j'ai réalisé, en parlant avec d'autres personnes et ensuite en présentant mon livre dans des différents, avant que la Covid arrive, mais dans plusieurs parties de la France, et en présentant aussi la traduction italienne qui a été faite après. Et j'ai eu la sensation en France d'un intérêt extraordinaire pour la recherche des origines italiennes. Et je pourrais parler de témoignages incroyables que j'ai reçus. Un monsieur de 92 ans à Toulon me raconte l'histoire de sa famille à partir d'un berger piémontais de 16 ans qui part de la province d'Alessandria, du village de Pareto. Le village de Pareto, en 1854, dans la province d'Alessandria, avait trois fois d'habitants qu'aujourd'hui. Il avait 1800 habitants, aujourd'hui il en a 600. C'est dire s'il y a derrière nous, dans cette vallée des Alpes et des Apennins, une histoire de destruction d'une économie traditionnelle et d'émigration qui, dans le cas du Piémont, était vers la France. Et ce monsieur me raconte de son arrière-grand-père, de cette génération, parce que le fils de cette dame achète un restaurant à Toulon. Le fils de ce monsieur travaille
dans les bâtiments. Les migrants italiens travaillaient souvent dans les bâtiments. D'ailleurs, le grand-père d'Aurélie Filippetti, ex-ministre de la culture française, française, est mort en participant à la construction d'un barrage. La destination naturelle des migrants italiens était souvent les bâtiments. Donc ce monsieur, cet enfant, cet adolescent travaille dans les bâtiments et son fils arrive à racheter un petit restaurant à Toulon. La génération suivante sont tous des fonctionnaires français. Et lui, ensuite, ce monsieur, après la guerre de l'Algérie, est devenu attaché culturel de l'ambassade de France à Rome et aujourd'hui vit à Toulon, où il organise, à l'âge de plus de 90 ans, la Dante Alighieri de Toulon. Mais ces présentations du livre m'ont permis de toucher directement une réalité dont je connaissais évidemment l'existence. Mais ce qui me manquait, c'était les histoires personnelles. La dame encore à Toulon qui vient me raconter l'histoire de son père, qui était l'un des militaires italiens, une histoire absolument inconnue, parce qu'on sait, et on sait mal d'ailleurs, que les Italiens ont occupé entre 1942 et 1943 une partie de la France, du sud-est, 10 départements. Mais on ne sait pas, très peu de monde sait que ces Italiens militaires, ici méchants par définition, ont sauvé des milliers, peut-être des dizaines de milliers, de juifs français et étrangers. Et ils les ont sauvés de la police de Vichy. Hein? Même si aujourd'hui il y a un candidat présidentiel qui dit que Vichy n'a pas livré des juifs français aux Allemands, c'est totalement faux. Et ce militaire italien, ce général italien, qui s'appelait Maurizio Lazzaro Castiglioni, qui en novembre 1942 arrive à Grenoble en tant que chef de troupes italiennes d'occupation, des Alpini. Hein, vous connaissez l'histoire. Début novembre 1942, il y a le débarquement anglo-américain en Algérie et au Maroc. Hitler décide qu'il n'y aura plus de zones libres, dites libres, dans la France du centre-sud. La France, le territoire entier de la France est occupé. La plupart est occupée directement par les Allemands. Et la partie sud-est est occupée par les Italiens. Et l'occupation italienne dure 10 mois. Ce général arrive à Grenoble en tant qu'occupant italien. Et la première chose qu'il fait est d'écrire une lettre qui aujourd'hui est exposée au musée de la résistance et de la déportation de Grenoble, où il écrit au préfet vichiste pour lui dire « à partir d'aujourd'hui, le patron c'est moi, parce que je suis l'occupant, et tu arrêtes de persécuter les juifs. Aucun juif peut être arrêté, sauf qu'évidemment pour des raisons de droit commun. Mais dans tous les cas, aucun juif peut être donné aux Allemands. Il n'y aura aucune déportation dans ce département tant que moi je serai le patron. » Alors on ne connaît pas cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, comme quoi pendant 10 mois, les Italiens occupants sauvent des vies de juifs. Et s'il y a des Italiens qui ont fait la France, il faut penser aussi à ces personnes. Comme à d'autres histoires de la Seconde Guerre mondiale, dont je vérifiais l'importance, toujours en faisant des présentations du livre, dans ce cas, dans la banlieue parisienne. Parce qu'en Nanterre, il y a la rue des Trois Fontanaux, qu'on connaît aussi parce qu'il y a le siège de la préfecture de police de Nanterre. Mais ce n'est pas important, au moins dans ce contexte. L'important est de savoir pourquoi cette rue s'appelle rue des Trois Fontanaux, sans S final, Fontanaux. Fontanaux, ce n'est pas Fontanaux, c'est Fontanotte. Fontanotte, c'est un nom de Frioul. Ils étaient des migrants italiens, ils n'avaient pas la nationalité française, des migrants italiens qui arrivent en France. Leur famille, c'est des familles communistes
quand la résistance, la vraie résistance commence en 41-42, la résistance, et quand la résistance commence, il entre dans le réseau de résistance du Parti communiste français, qui s'appelait Franc-Tireur Partisan, main d'œuvre immigrée, FTP-MOI. C'est dire si cette main d'œuvre immigrée était fondamentale dans la résistance française. Oubliée. Les trois Fontanon ont été tous tués par les Allemands et par les vichistes et par les collaborationnistes. Ils avaient entre 18 et 22 ans. Un d'eux a été tué à coups de pied, massacré. Hein? Des résistants italiens, heureusement qu'il y a cette rue à Nanterre. Mais dans beaucoup d'autres villes françaises où les résistants italiens sont morts, il y avait des résistants italiens toujours en Frioulin. Dans l'affiche rouge hein, du groupe Manoukian, en italien. Et il y avait beaucoup d'Italiens ont été fusillés au Mont Valérien. Et leurs noms, on ne les connaît même pas. Hein? Il y a des villes françaises du sud-ouest qui ont été libérées par des organisations de résistance dirigées par des Italiens, ensuite oubliés, totalement oubliés. Et même dans les rues de Paris, il y a eu des fils de migrants. Cette page de l'immigration fait partie de l'héritage de l'histoire que nous avons le devoir de retrouver. Le devoir de faire revivre. Et évidemment, l'immigration italienne en France, la présence italienne en France, l'histoire de ce phénomène unique au monde, parce que ça dure depuis des siècles, ça a eu des aspects incroyablement différents entre eux, de Léonard de Vinci à les grands architectes qui ont participé aux projets qui font la France telle qu'elle est aujourd'hui, à la musique évidemment, à la commedia dell'arte, à tout ça, c'est fait aux simples travailleurs, aux mineurs de Lorraine et d'Alsace, au fait que ce phénomène de migration a donné lieu à une intégration extrêmement réussie, mais réussie dès le début. Réussie, vous voyez, en 1929-30, le principal hebdomadaire français, le plus haut de gamme des hebdomadaires français, l'Illustration, a envoyé son meilleur journaliste à faire un voyage. D'ailleurs, idée géniale qu'aucun journal actuel aurait. Hein, il ferait un reportage de Strass et Payet ou de bêtises. À l'époque, ce journal a fait un reportage sur l'état de la population française, département par département. Et ce journaliste a voyagé dans tous les départements. Et il a fait une série de dizaines et dizaines d'articles. Chaque semaine, il y avait un article. Et dans certains départements, le Gers, par exemple, et la Moselle, il dit, par exemple, dans la ville de Villerue, où aujourd'hui il y a d'ailleurs un festival du cinéma italien, il dit aujourd'hui les enfants, les meilleurs élèves à l'école primaire sont les fils des migrants italiens. Mais et pour cause. Vraiment pour eux, l'école publique était l'ascenseur social. Ils arrivaient ici, les parents parlaient les piémontais, les sardes, les dialectes de Pouille, du Frioul, mais la langue italienne, il la connaissait très peu quand il la connaissait. Je parlais avec la fille le grand couturier qui est mort en 2019. Ungaro, la fille d'Ungaro. Elle est Cosimo Ungaro, me disait que ses grands-parents, quand ils sont arrivés de Pouille ils étaient des antifascistes migrés pendant les années 20, de Pouille à Aix-en-Provence, hein, où
ungaro s'appelle Emmanuel Matteotti Ungaro. Hein? C'est dire. Hein? C'était son, Matteotti était son prénom. C'était le vrai prénom de Ungaro, le grand Ungaro. Voilà. Et quand ils sont arrivés, ses grands-parents, ils ne parlaient que le patois, la langue, parce que les langues régionales italiennes sont des langues, ne sont pas des dialectes. Hein? Que la langue de Puy, il venait de la province de Brindisi. Et ensuite, la famille apprend le français, sans même passer par l'italien. Et il y a comme on coupe les racines de la famille, souvent dans la migration italienne, et ça explique, et je reviens à ce que je disais au début, ce phénomène actuel d'envie de retrouver les racines. Donc il ne faut pas s'étonner si on achète un numéro spécial de l'histoire, même si c'est très mal fait, parce que... il ne faut pas s'étonner parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas un phénomène du marketing journaliste, tout ça. Il y a quelque chose derrière, comme il y a quelque chose derrière à cette envie d'apprendre la langue italienne dans la France entière. Mais là, on me le disait dans les différentes occasions, mais vous le savez parfaitement, il y a un boom de l'enseignement privé d'italien. Et pour cause, parce que l'enseignement public, l'école publique française coupe les places, réduit les places d'enseignement de l'italien, chose inacceptable et un peu indécente, honnêtement. Hein? Un peu indécente. On a envie de retrouver cette langue quelque part interdite aux grands-parents, parce qu'il ne fallait pas apprendre à parler l'italien en famille. Parce que les enfants de l'école primaire dont parlait cette enquête, ce reportage de l'illustration, et c'était des personnes qui voulaient être excellents à l'école primaire française et dont ils devaient couper les racines avec la langue italienne ou le patois, le dialecte ou les différentes versions des langues régionales qu'on pouvait parler en famille. Et ces racines coupées aujourd'hui donnent ce phénomène de recherche d'un passé, d'une histoire familiale dont on a encore les chromosomes. Et je retrouve ça aussi dans le boom actuel de la gastronomie française et italienne en France, comme une envie de retrouver des racines. Et je termine moi aussi en disant que là, vraiment, Maria Chiara et Cinzia, vous êtes le témoignage au-delà de vos capacités personnelles évidentes et indiscutables, dont Leonardo da Vinci est personnellement le témoin, parce que s'il était là, il dirait « grazie Cinzia hein? », et Rossini il dirait « probablement grazie Maria Chiara ». Et au-delà de votre expérience personnelle, vous êtes vous aussi un révélateur, parce qu'aujourd'hui la présence d'Italiens chercheurs dans le secteur de l'art, restaurateur, Cinzia m'expliquait que le nombre de restaurateurs d'art italiens en France aujourd'hui est extraordinaire. Et dans le secteur de la musique, on le sait bien, dans le secteur du cinéma, c'est impressionnant. Donc, il y a toutes des générations de jeunes italiens qui se sont formés aux écoles italiennes et qui viennent en France. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Ça peut être les deux. Évidemment, s'il y a un mixage des sociétés, des expériences, si la chose est dans les deux sens, c'est une chose merveilleuse, parce que ça contribue. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas la France et l'Italie, il y a un ensemble fritalien aujourd'hui. Nous sommes comme un peuple de fritaliens, et on est tellement intégré, on est en train de s'intégrer tellement que même si quelqu'un aujourd'hui demande de rétablir des frontières, des barrières, de bâtir des murs sur les Alpes, c'est peine perdue parce qu'on est tellement intégré qu'il n'y aura aucun mur qui soit capable de nous séparer. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou non la présence actuelle de jeunes qualifiés en France? Je répète, il faut éviter que ce soit une nouvelle migration seulement dans un sens. Aujourd'hui, la migration précédente était dans un contexte politique et européen totalement différent. Aujourd'hui, il faut tout faire
pour être réellement capable de bâtir une nouvelle Europe ensemble. Alors, moi, je voudrais dire que je suis certaine que si on allie chacun d'entre nous, nous avons des origines italiennes. Si vous cherchez bien, moi je suis persuadée, je suis née en Tunisie, et donc je suis persuadée, cet amour que j'ai pour l'Italie doit être vraiment de l'origine d'où je suis née. La Tunisie, vous savez, était très proche de l'Italie quand même. Voilà, moi je merci beaucoup à Hermano Sanchez d'être là. C'est l'adjoint à l'Europe et il nous a fait le plaisir d'être avec nous aussi ce soir. Et merci à vous tous et merci à notre amie pour tout ce qu'elle a organisé ce soir. Et voilà, c'est à toi. Italienne et le savoir-faire, tout ça, je crois qu'on a vu quel était le fil rouge de toutes ces magnifiques admirations et c'est l'histoire d'amour. Depuis siècles et siècles et siècles, il y a une histoire d'amour entre nos deux pays qui est faite par la grande histoire, l'histoire qui peut être parfois tragique, parfois très artistique et magnifique, parfois comique aussi, mais qui est là, qui est faite par des grands personnages comme Leonardo da Vinci, hein, tous, je dis Leonardo da Vinci, je tiens, et c'est fait aussi par la petite histoire, l'histoire des soldiers, l'histoire de nos grands-pères, grand-mères, de nos ancêtres qui sont venus ici, et qui ont fait une France. L'italienne, c'est une France qui est encore plus artistique, encore plus heureuse, encore plus riche de culture, de savoir-faire. L'autre côté de ça est un grand merci à la France qui nous a accueillis pendant des siècles, qui nous a donné la chance de nous épanouir, de nous réaliser, de vivre, de manger quelquefois. Et donc, merci. Et je demande à nos amis Hermano s'il veut dire quelques mots. Mais je conclue, tu l'as déjà dit, mais ma conclusion c'était que la France et l'Italie sont mélangées. Se sont données pendant les siècles beaucoup de choses en retour. Et nous sommes ici maintenant, le cœur de l'Europe, dans le cadre de ces relations excellentes que nous connaissons aujourd'hui. Et dans le cadre aussi de les traités qu'on est en train de terminer et qui va renforcer encore plus les relations entre l'Italie et la France. Et donc, nous devons être là pour renforcer encore plus l'élan européen ensemble. Et l'élan que Guyan, merci, a rappelé en parlant de l'élan envers l'universel, le droit, la philosophie qui nous unit, c'est que nous pouvons donner ensemble au monde entier à l'intérieur de notre maison commune qui est l'Europe. Donc merci beaucoup. Hermano, si tu veux dire quelques mots, si tu veux. Et après ça, peut-être quelques questions et réponses, si vous avez encore les idées. Merci beaucoup. Merci. Alors c'est celui qui arrive en retard qui a le droit de parler. D'abord, excusez-moi pour ce retard. Je trouve tellement fondamental de parler d'histoire. Et il y a une injustice dans l'histoire qui parfois est réparée grâce aux travaux, grâce à des traces qu'on n'imaginait pas. J'ai encore appris plein de trucs ce soir. J'ai bien fait de venir. Parce que découvrir que la première fois où on parle de Paris, c'est assez fantastique. Mais l'histoire est ingrate. L'histoire est un rouleau compresseur. Et donc, quand on imagine parler des différents peuples, des différentes civilisations et de leurs contributions, on va forcément en oublier quelques-unes. Mais alors, du coup, dans cette vision universelle, on ne peut pas oublier l'Italie. C'est une réalité. Il ne peut pas y avoir de vision sur le monde que nous connaissons depuis aussi longtemps sans cette pincée
italienne. Donc je suis moins inquiet pour vous, peut-être que pour d'autres civilisations, et c'est tellement un bonheur que de pouvoir le voir et participer à son développement. Donc moi je veux juste, merci, j'avais plein de questions en fait à poser, mais je vais laisser les autres commencer. Donc merci pour cette invitation, et Alberto, je suis tellement content qu'on puisse arriver à cette même conclusion, qui est de dire que maintenant, là où parfois on a été parmi ceux qui ont dit il faut des frontières, on fait indubitablement, de façon certaine, partie des pays qui disons maintenant il n'y a pas de frontières, il n'y a plus de frontières. Et nous devons avancer vers cette civilisation européenne, vers cette citoyenneté européenne, mais qui n'est que le début d'une civilisation et d'une citoyenneté mondiale. Mais comme il faut y aller pas, petit pas à petit pas, je suis très heureux d'être absolument certain, quoi qu'il arrive, quels que soient les vents, les tempêtes parfois, que et si la France et si l'Italie sont d'accord, l'Europe forcément vivra. C'est ce qui s'est passé déjà avant. C'est de là qu'on vient, chacun dans nos contrées. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long. Grazie mille. Lo tiene lei, va bene, allora spero che lo tiene bene. Sì, volevo dire soltanto che il... Prego? En français. Je ne sais pas... Excusez-moi, je parle très mal le français. Non. Je vais essayer de m'y mettre, peut-être ce soir, après vous avoir entendu, j'ai appris un petit peu. Je voulais remercier, pardon, Alberto par son histoire de Toulonnaise. Pourquoi ? Parce que mon épouse est petite fille, ou arrière, d'un Piémontais qui a traversé les Alpes, qui s'est installé à Saorge, donc à la frontière, et puis de là, de petit-fils en petit-fils, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens, que, excusez-moi, c'est pas l'émotion, qui ont montré que ce lien entre la France et l'Italie est réel, à tel point que moi j'ai épousé une des petites filles qui est issue de cette migration piémontaise, alors que moi je viens de Sicile. Mais on est tous les deux en France et on a fait une fille bien française. Il y a un monsieur qui est né en Algérie, fils d'une piémontaise et d'un sicilien. Ce monsieur s'appelait Belmondo et son fils est devenu très célèbre. Merci beaucoup à tous. Merci.